Bienvenue à vous, frères et sœurs, dans ce temple. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes heureux aujourd'hui de partager ce culte avec la musique territoriale de l'Armée du Salut. Donc tous ces frères et ces sœurs qui viennent de France, de Belgique ou d'ailleurs pour partager ce moment de louange avec nous. Tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que des enfants auront faim et froid, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes en prison qui n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura un humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai. Je me battrai, je me battrai, je me battrai. Ce sont ces paroles de William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut. Si j'ai bien compris, c'est en 1877, la même date de la fondation du Temple de l'Étoile. Et donc, c'est selon cette belle devise qui est la vôtre, « Sauver pour servir ». Eh bien oui, frères et sœurs, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, nous sommes accueillis dans son amour, dans sa paix et dans sa force. Dieu accueille chacun de nous, qui que nous soyons, pour nous donner sa lumière, et nous en rendons grâce à Dieu. Je vous invite à chanter la louange de Dieu avec le psaume 68, « Que Dieu se montre seulement ». Le psaume 68, au début de nos recueils, c'est donc page 82, et nous chanterons les trois premières strophes de ce psaume 68.
ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, nous dit le Seigneur, faites-le de même pour eux. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais vous, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, prêtez sans rien espérer en retour, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Nous prions Dieu. Oui, Seigneur, apprends-nous à aimer. Aide-nous à savoir nous tourner vers les autres, alors même que notre inclination naturelle est de nous préoccuper que de nous-mêmes. Rappelle-nous combien toi tu nous aimes. Remets dans notre cœur cet exemple de la générosité, de l'amour du Christ qui a donné sa vie pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Oui, ô Dieu, donne-nous ton pardon et donne-nous ton aide pour que nous puissions, avec ton soutien et le souffle de ton esprit, nous tourner vers les autres, nous tourner vers toi-même, afin de trouver la force et l'inspiration d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Mais Dieu a dit, je ne mettrai pas dehors quiconque vient à moi. Et aussi, nous pouvons fonder notre assurance sur cette bonne nouvelle de l'Évangile, qui est que Dieu nous conserve toujours dans sa grâce, nous donne son pardon et nous maintient dans son amour éternel. Je vous invite à vous lever pour que nous rendions grâce à Dieu en confessant notre foi. Et dans la liberté qui m'est donnée d'aimer et de croire, je reçois la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu, éternel et vivant, même sans condition. Par son esprit, il me relève et il me guide. Il m'éclaire et me révèle. Son souffle de vie me porte vers les autres. Et sur mon chemin, mon frère divin Jésus-Christ est présent. Il me nourrit et m'invite à construire ensemble le monde que Dieu désire. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Voici ce que j'ai décidé de méditer avec vous aujourd'hui. C'est un texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens et dont vous reconnaîtrez qu'il a quelques liens avec la présence de nos amis de l'armée du salut. C'est donc au chapitre 6 de l'épître aux Éphésiens à partir du verset 13.
au verset 10. « Au reste, frères, dit Paul, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre les pouvoirs, contre des dominations de ténèbres, contre des esprits du mauvais dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Dans la même veine, nous avons dans la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 6, verset 11, ces paroles de Paul, donc à son ami et collaborateur Timothée. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi. » Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te le recommande devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate. Garde le commandement sans tache, sans reproche, jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui fera connaître en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible et que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à lui soit honneur et puissance éternelle. Amen. Nous chantons alors encore un cantique de l'époque, de cette époque militante de la fin du 19e, c'est « Debout Sainte-Cohorte ». Alors, c'est tout à fait d'une autre époque. Nos amis de l'Armée du Salut ont dit qu'eux-mêmes ne le jouent plus jamais, donc ils le font juste une fois pour nous à l'étoile. Et nous chantons les trois strophes de ce cantique, si vous voulez bien. Thank you.
Prenez, dit Paul, toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme. Revêtez la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est cette liste assez saisissante de ce qu'on appelle la panoplie de Dieu, l'ensemble des armes qui sont données par Dieu aux croyants. Alors cette image du combat spirituel qui a été un grand thème effectivement de la fin du 19e siècle, où a été créée l'armée du salut, où ont été faits des cantiques comme celui que nous venons de chanter, est un thème que l'on aborde moins, pas très souvent aujourd'hui, et c'est sans doute dommage, parce que je crois que, certes, l'Évangile est quelque chose de très doux, de très rassurant, de très plaisant, de très bienfaisant, mais il y a aussi dans la vie quelque chose qui est de l'ordre du combat. Un combat à la fois intérieur et extérieur. C'est sûrement un combat déjà extérieur, c'est-à-dire un combat dans le monde contre la pauvreté, contre la misère, contre l'injustice, contre l'exclusion et contre le désespoir. Et je pense que là, nos amis de l'armée du salut sont essentiels pour nous rappeler que ce n'est pas le tout de se dire « Ah ben Dieu me fait du bien, moi je crois en Jésus-Christ, etc. » Le chrétien était aussi quelqu'un qui s'engage dans le monde et qui agit dans le monde et qui ne peut pas tolérer qu'il y ait dans le monde finalement de l'injustice et de la souffrance. Le Christ lui-même a certes prêché le royaume de Dieu, mais il est aussi venu en aide concrètement à ceux qui étaient malades et à ceux qui avaient du mal. Donc il ne suffit pas de dire « Ah oui, ça n'est pas bien l'injustice dans le monde, c'est tout à fait révoltant. » Il faut y aller. Il faut se mouiller, il faut agir et s'engager. Et là, ça n'est pas si simple parce que vous le savez, le monde résiste et il est difficile de combattre même pour le bien dans le monde parce qu'il y a des forces de résistance. Il faut lutter contre l'égoïsme, contre le matérialisme, contre l'individualisme, contre l'indifférence. Et donc ce combat que nous sommes invités à faire, il demande de l'effort, de l'engagement. Il faut pour ça sacrifier du temps, de l'énergie, de l'argent, ça a un coût. Sacrifier son confort et il faut s'engager dans ce combat. C'est ce que dit Paul à Timothée quand il lui dit « Combat le bon combat de la foi ». Et en même temps, il y a aussi parallèlement à cela un combat intérieur. Ce combat intérieur, c'est qu'il y a aussi en nous, je dirais l'ennemi est aussi dans la place. Parce que l'indifférence, l'égoïsme, le matérialisme, il n'est pas que dehors et nous ne sommes pas les anges ou les héros du bien luttant contre le mal. Mais il y a aussi en nous, il faut le reconnaître, beaucoup d'indifférence, de mollesse, d'égoïsme, de désirs mauvais. Et nous devons sans cesse aussi lutter contre la tentation, contre le mal, contre la tristesse, contre le découragement, contre la facilité qui s'impose à nous. Donc oui, ça n'est pas simple. Et j'avoue que tout cela, nous devrions le faire, mais que nous sommes finalement assez peu armés pour cela. Parce que nous n'avons que peu de force en nous-mêmes, et la volonté personnelle ne suffit pas toujours. Certes, on pourrait dire la même chose que je vous ai dit là, on pourrait le dire d'un point de vue purement humaniste. Même en tant qu'être humain, je compatis avec les pauvres, et il faut lutter contre la pauvreté. Et aussi d'une façon un peu volontariste, je pourrais dire aux uns ou aux autres qui ne font pas grand-chose, « Allons, ressaisis-toi, un petit peu d'énergie, un peu de volonté !» Mais en fait, ça ne suffit pas. Et nous n'y arrivons pas. Comme dit Paul, nous passons notre temps à ne pas faire le bien que nous voudrions et au contraire à faire le mal que nous ne voulons pas. Et c'est là où ce passage de Paul dans les Éphésiens me touche, parce qu'il nous dit qu'en fait, nous avons des armes qui viennent de Dieu. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de revêtir la panoplie de Dieu, comme le dit Paul, et nous avons des ressources qui sont extraordinaires et que Paul liste. Parce qu'en effet, Dieu lui-même sans cesse lutte dans le monde. Je crois dans un Dieu créateur, si vous voulez, je crois que Dieu n'arrête pas dans le monde d'essayer de lutter contre le mal, d'essayer d'œuvrer par une puissance créatrice, certes lente et peut-être pas toujours visible, mais je crois que Dieu est à l'œuvre dans le monde pour essayer de le pousser vers le bien. Et il nous invite à lutter avec lui et il nous en donne les moyens.
Et ces moyens qui sont listés justement dans Éphésiens 6. Et ces armes que Paul cite, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, etc. Si on lit la Bible, on se rend compte que Paul les a trouvées les uns après les autres dans l'Ancien Testament. Non, pour ne pas alourdir ce culte, je n'ai pas voulu lire tous les passages, mais si vous avez la patience, vous lirez par exemple Ésaïe 59, au verset 16 à 18, où justement sont cités un certain nombre de ces armes, le casque du salut, l'épée de la vérité, etc. Et dans l'Ancien Testament, à chaque fois, ces armes, eh bien, ce sont les armes de Dieu lui-même. C'est Dieu qui met le casque du salut, c'est Dieu qui prend l'épée de la parole, c'est Dieu qui se revêt, qui revêt la ceinture de vérité. Et donc les armes dans l'Ancien Testament, ce sont les armes de Dieu pour Dieu, c'est-à-dire ce sont les moyens que Dieu a pour agir dans le monde et pour essayer de rétablir le droit. Et souvent même dans l'Ancien Testament, ce sont les armes que Dieu utilise au moment de l'Apocalypse. Dans le jugement dernier, Dieu enfin va terrasser le mal et lutter contre l'injustice. Et donc voilà le décalage intéressant que nous donne Paul. C'est que Paul ramène ça d'abord à un combat quotidien. Il dit c'est pas juste à la fin du monde qu'il faudra lutter contre l'injustice. Ça commence dès maintenant, dès aujourd'hui et dès tout de suite. À la sortie de ce temple, l'injustice est là. Le mal est là, la souffrance est là, lutter contre l'injustice, le mal et la souffrance. Et d'autre part, donc Paul nous dit que c'est un combat quotidien, et surtout toutes ces armes qui sont normalement les armes de Dieu, il nous les pose sur nous. Il dit voilà, c'est à vous de revêtir le casque du salut, c'est à vous qui devez mettre la ceinture de vérité, etc. Et donc autrement dit, il nous donne les armes mêmes de Dieu, pour que nous luttions avec lui. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour l'idée de Paul, nous devons en quelque sorte agir dans le monde comme Dieu le ferait. C'est-à-dire être les bras armés de Dieu dans ce monde, parce que c'est bien beau de prier que Dieu enlève l'injustice, eh bien priez toujours, c'est très bien, ça fait du bien à tout le monde, mais vous aussi, faites quotidiennement dans votre vie ce que vous demandez dans vos prières à Dieu. Première chose à faire. Et puis d'autre part, il dit « revêtez-vous de ces armes de Dieu. Vous pouvez vous revêtir de la puissance de Dieu, non seulement pour vous protéger vous-même, parce que vous aurez vu que la plupart de ces armes sont défensives, hein, donc pour vous protéger vous-même, et vous pouvez bénéficier, je dirais, de la force surnaturelle de Dieu pour vous. » Et donc cette puissance de Dieu à l'œuvre dans le monde, vous pouvez la prendre avec vous-même et ça devient une arme surnaturelle qui peut vous blinder contre, non seulement contre les attaques du mal vis-à-vis de vous-même et vous donner une force extraordinaire d'action dans le monde qui décuple vos propres forces. Alors quelles sont ces armes extraordinaires que nous pouvons hériter de Dieu ? Eh bien, vous avez entendu que ce sont d'abord globalement des armes plutôt défensives. Et de ce côté-là, vous avez bien compris que l'armée du salut, même s'ils ont un uniforme militaire, globalement, ne sont pas des gens très violents et ne font pas d'action brutale dans le monde. Donc ce sont des armes défensives qui apparemment ont plutôt pour rôle de protéger, de donner de la force pour pouvoir supporter le mal et finalement être vainqueur. Il n'y a qu'une arme offensive dans la liste, c'est l'épée. Sur laquelle nous reviendrons. Alors, petit catalogue, voyons ces armes. La première, c'est, Paul dit, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Alors, la vérité pour ceinture, petite explication. D'abord, vous savez que, moi j'ai appris plutôt, je vous l'apprends peut-être, que du temps des Romains, ils avaient tout un équipement très compliqué, il y avait des tas d'éléments, et la ceinture, c'est ce qu'on mettait au-dessus qui permettait que tout tienne ensemble. C'est-à-dire que la ceinture, c'est ce qui donnait une cohérence à l'ensemble. Et si le soldat ne mettait pas sa ceinture, eh bien, il perdait son pantalon, sa cuirasse, son machin, tout ce qui était accroché. Et donc, il n'y avait plus aucune cohérence. Et donc, du coup, cette vérité, je pourrais dire que pour nous, là où ça nous aide, c'est qu'elle nous donne une cohérence. Alors, est-ce que je peux en dire qu'il faut faire attention à avoir une foi vraie, c'est-à-dire à ne pas partir dans n'importe quel sens ? Je ne suis pas loin de le penser, je crois qu'il faut avoir une certaine rigueur de la pensée, une réflexion exigeante,
Et quand on a bien pensé sa foi, c'est-à-dire qu'on a réfléchi à la vérité de ce en quoi l'on croit, eh bien ça donne une cohérence à notre vie et ça l'oriente. Mais en disant ça, je suis en même temps un peu mal à l'aise parce que, bon, est-ce que l'intégrisme finalement est vraiment une bonne chose? Et puis comment savoir si je suis dans la vérité? Eh bien, c'est qu'en fait, je pense que ce que je vous ai dit, c'est pas tout à fait ça. Parce que la vérité dans la Bible, c'est pas la vérité doctrinale. Donc de bien croire comme il faut à Dieu homme, à la Trinité ou à je ne sais quoi. La vérité dans la Bible, c'est... c'est pas présenté comme un devoir supplémentaire en disant attention, vous devez faire attention à ne pas vous tromper de vérité. Mais il dit revêtez la vérité, c'est-à-dire la vérité de Dieu qui est donnée comme un cadeau et comme une aide. Et cette vérité qui vient de Dieu n'est pas celle d'un dogme, mais la vérité de Dieu dans la Bible, c'est le projet que Dieu a pour l'humanité. C'est-à-dire c'est une vérité a priori. Dieu dit la lumière est. Quand il le dit, c'est faux, puisque quand il dit, c'est les ténèbres. Mais quand Dieu dit une chose, ce qu'il dit advient. Donc autrement dit, la vérité de Dieu, elle est par avance. Et Dieu dit à l'avance ce qui doit être. Et donc Dieu dit cette vérité qui est en fait le projet de Dieu pour l'humanité. La vérité pour nous, c'est l'Évangile. Quand Dieu dit le but de l'humanité, c'est que l'homme vive fraternellement. Le but, c'est le pardon, c'est le partage et c'est l'amour. Ça, c'est la vérité, même si c'est un peu faux dans le monde, parce que du pardon, du partage et de l'amour, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est ça la vérité de Dieu, parce que ce qui est vrai dans ce monde, c'est l'amour, la grâce et le partage. Ça, c'est ce qui est vrai dans la vie. Tout le reste n'est que du mensonge et ce n'est que des choses fausses qui nous égarent du vrai chemin. Et donc, c'est ça l'évangile de la vérité. C'est Jésus qui nous ouvre un chemin et il dit, si vous plongez dans ce projet de vie qu'est l'Évangile, eh bien ça donne une cohérence à toute votre vie, parce que vous savez où vous allez. Et donc il faut prendre ça pour ceinture, la base de tout. Et puis la ceinture, alors pour les soldats romains c'était peut-être ça, mais dans la Bible, la ceinture c'est autre chose, c'est ce que l'on met pour être prêt. Donc les gens vivaient en jogging à l'époque sans doute, quelque chose qui devait ressembler, et puis quand ils allaient dans les champs, ils mettaient un habit avec une ceinture pour pouvoir travailler. Et donc chaque fois que dans la Bible on dit « mettez une ceinture à vos reins, saignez vos reins », ça veut dire « soyez prêts à aller au boulot en fait ». C'est ce que dit aussi Jésus dans Luc 12 quand il dit « que vos reins soient saints, C-E-I-N-T-S, et vos lampes allumées ». Et donc quand on dit qu'on prend la vérité pour ceinture, ça veut dire, moi, je me prépare pour aller au boulot selon un projet de vie qui est très simple, c'est celui de la volonté de Dieu. Et il y a aussi d'ailleurs, effectivement, c'est aussi une citation d'Ésaïe, quand on dit, le prophète parle de la venue du Messie, et il dit, le Messie, quand il reviendra, il revêtira la ceinture de la vérité. Un même thème. Et donc, c'est-à-dire, encore une fois, aller à la suite du Christ. Ensuite, la cuirasse de la justice. Alors la cuirasse, ça c'était une pièce d'équipement qui couvrait tout le cœur et les organes internes. Et donc je dirais que ce que nous pouvons trouver en Dieu, c'est quelque chose qui nous protège notre cœur, c'est-à-dire qui nous protège l'intérieur lui-même. Et c'est la justice qui peut nous protéger. Et là encore, il y a deux lectures, celle que l'on lit partout, parce que ce texte de la panoplie de Dieu n'est à peu près jamais commenté dans nos milieux réformés, bizarrement. Je n'ai trouvé aucune prédication dans aucune paroisse réformée sur ce texte. Par contre, dans les milieux évangéliques, vous en trouvez des centaines. Parce que, évidemment, beaucoup de ces milieux-là sont très dans une conception assez active et volontariste de la foi, en disant, vous devez faire preuve de vérité, vous devez faire de la justice, on est toujours dans le devoir plus que dans la grâce. Et donc, effectivement, ce que l'on lit d'habitude, c'est de dire, la justice, eh bien, il faut que vos actes justes protègent votre cœur. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir une certaine discipline personnelle et que ça nous protège? Eh bien, ce n'est pas entièrement faux, mais je pense que, évidemment, d'abord, la justice dans la Bible n'est pas la justice humaine, mais c'est la justice de Dieu, donc c'est d'être conforme à la volonté de Dieu,
Mais là, on est encore dans une vision un peu volontariste, en disant « appliquez bien la méthode de Dieu et ça protégera votre cœur ». Mais on peut le voir comme un don, puisque Paul dit « prenez-le, c'est offert, en fait ». Et un don, alors, c'est de dire que cette volonté de Dieu, cette justice de Dieu, elle vous est donnée, elle vous est offerte. Il suffit de la suivre, c'est un cadeau. Autrement dit, simplement, l'Évangile, je vous l'ai dit, nous donne un programme de vie. Adhérez au projet de Dieu, pour vous, et alors ce sera la plus grande de vos forces. Structurez toute votre vie avec cela, et ça donnera une cohérence qui tiendra toute votre vie de l'extérieur, en quelque sorte. Ou alors, on peut aussi dire que ce revêter, le verbe revêtir dans la Bible est très important parce que c'est un thème baptismal, qui renvoie au baptême, parce que quand quelqu'un se faisait baptiser, il revêtait une robe blanche. Et donc là, et dans la Bible, on dit qu'il faut revêtir la robe blanche comme on revêt l'homme nouveau, on revêt une vie nouvelle, et on s'habille. Donc finalement, on est quand même un peu dans l'extérieur, on est quand même un peu dans les actes, effectivement. Et même si la façon de vivre peut sembler artificielle, finalement, je dirais que ce n'est pas sans importance. Parce que notre façon de vivre, donc la justice de Dieu, d'essayer de vivre l'Évangile, ce programme de l'Évangile, ça nous permet de vivre harmonieusement avec les autres, de témoigner de ce que nous voulons être, et finalement, ça nous protège du mal. Alors, il est difficile de se protéger vraiment le cœur, mais on peut au moins agir sur sa façon d'agir. Et en fait, c'est à bien plus d'importance qu'on ne pense quand, effectivement, on revêt cette cuirasse de la justice. Ensuite, la troisième arme, c'est les chaussures. Il dit, prenez les chaussures des bonnes dispositions de l'Évangile de paix. Alors ça m'a donné un peu de fil hors tordre, parce que, est-ce que les chaussures, ça vous donne de la paix? Bonne question, je vois pas trop le lien. Eh bien, en fait, si. Je vais vous dire si. Essayez de marcher pieds nus dehors, et vous verrez que vous serez sans arrêt dans la crainte, dans la peur de vous blesser, dans la peur qu'il y ait un morceau de verre par terre, dans la peur de vous cogner quelque chose. Et que les chaussures, en fait, c'est vrai, nous, on a tellement l'habitude qu'on ne le voit plus, ça nous donne une sécurité extraordinaire, parce qu'on n'a plus besoin de se préoccuper de là où on met les pieds. Voilà. Et que du coup, au lieu de regarder ses pieds, on peut regarder loin devant et regarder où l'on va. Quant à l'Évangile de paix, c'est la bonne nouvelle de la paix que Dieu nous donne, je crois. En effet, Paul dit en Romains 5, « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et donc, c'est la paix que Dieu nous donne. Et si on accueille cette paix que Dieu nous donne, parce qu'on se sait justifié, on sait que Dieu n'est pas en guerre contre nous, qu'il ne nous en veut pas, qu'il ne cherche pas à nous condamner, à nous punir, alors on peut marcher sans crainte. Parce qu'il n'y a pas de crainte, on n'a plus peur, si vous voulez, de mal faire. Et peut-être que souvent, ce qui nous retient d'agir, c'est finalement un manque de confiance en soi, ou c'est la peur. Peur de mal faire, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être coupable. Et donc il dit simplement l'Évangile de la paix, la bonne nouvelle de la paix. C'est Dieu qui vous dit, moi je vous accueille, je vous pardonne et je vous donne la grâce. Et donc je fais la paix avec vous. Donc vous êtes en paix avec Dieu, ayez confiance dans la vie et allez-y sans crainte. Et puis évidemment, vous êtes aussi invités à faire la paix, à donner la paix, à être des êtres de paix. Mais tout ça va évidemment ensemble. Après, nous continuons et nous en arrivons au bouclier de la foi. Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors ce bouclier romain, il était énorme. Je crois qu'il faisait 1,50 m de haut et 90 cm de large. C'était quelque chose de considérable. Et le bouclier de la foi, ce n'est pas simplement de dire que la foi nous protège des épreuves, encore que ça n'est pas faux. Je pense que c'est assez vrai. Il y a dans la foi quelque chose qui fait une interface entre le monde et nous et qui nous protège. Mais la foi dans la Bible n'est pas le sentiment religieux. C'est la conviction ferme et inébranlable.
Le mot foi dans l'Ancien Testament est le même mot que celui de la vérité, c'est-à-dire c'est l'adhésion de l'intelligence à la vérité. Et c'est le même mot qui veut dire ferme, inébranlable. Et donc la foi, c'est la fermeté de ce en quoi l'on croit. Non pas dogmatiquement une foi, mais de ce qui est important dans la vie, de ce qui l'oriente. Et je vous l'ai dit, moi, je crois fermement dans l'amour, dans le pardon, dans la grâce, dans l'amitié et dans la paix. Et ça, j'y crois fermement. Je n'ai aucun doute là-dessus, qu'il n'y a pas de vie possible sans la grâce, sans amour, sans bonté, sans générosité. Donc j'y crois fermement, et c'est ma foi absolue. Et je ne suis pas à tout instant à me tâter pour savoir si j'ai encore la foi en Dieu ou pas. J'y crois à cela. C'est le message de l'Évangile, et j'y crois. Et donc c'est ça le bouclier de la foi, cette force extraordinaire que peut donner le fait de ne pas douter de l'essentiel. Et ne pas douter, croire, ce n'est pas croire, essayer de se forcer à croire dans des balivernes ou dans des choses dans lesquelles on ne croit pas, mais c'est de bien savoir en quoi l'on croit. Et ça, la foi s'oppose au doute dans la Bible. Et le doute, c'est celui du serpent dans la Genèse, qui dit à Adam et Ève, « Mais Dieu a-t-il réellement dit ?» Tiens, le doute s'instille. Est-ce que par hasard, l'égoïsme ne serait pas une voie plus intéressante que l'altruisme ? Ça, c'est le doute du diable. Eh bien, il dit, « Prenez le bouclier de la foi, et devant tout cela, ayez une conviction ferme, inébranlable, forte, indéracinable de cette vérité de l'Évangile. » Et avec le bouclier de la foi, vous pouvez empêcher les traits brûlants du malin. Le malin, c'est le diable, le tentateur. C'est tout ce qui veut nous faire chuter, nous éparpiller. Et la foi, c'est ce qui fait l'unité de la personne. C'est ce qui lui permet de traverser des océans, qui permet d'aller à toute épreuve. Parce que, justement, quand je suis libéré du fait de me regarder les doigts de pied, de me regarder le nombril pour ne pas tomber, que je regarde loin devant et je dis « c'est là que je veux aller », eh bien, je peux traverser des océans, des chaînes de montagnes, des tempêtes, tout ce que vous voulez, parce qu'il y a effectivement quelque chose qui fait aller de l'avant et qui fait main en marche. Je croyais que le grand alpiniste pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, Wim Per, a dit « quand il y a une volonté, il y a aussi une voie ». C'est beau ça. « Quand il y a une volonté, il y a une voie ». J'ai cherché dans mon ordinateur, j'ai vu en fait que c'est Lénine qui l'a dit en premier, ce qui est moins, évidemment moins sympathique. Mais Churchill aussi l'a dit, alors je ne sais pas, est-ce que c'est Lénine, Churchill ou Wim Per ? En tout cas, tous les grands hommes sont unanimes là-dessus. Là où il y a une volonté, il y a une voie. Et cela peut nous protéger des traits brûlants du malin, c'est-à-dire le feu. Et le feu dans la Bible, bon, quand c'est pour faire cuire le thé, c'est très bien, mais le feu, quand il est méchant, c'est le feu qui détruit. Et cette conviction, cette ferme et inébranlable, peut-être effectivement nous protège contre tout ce qui peut détruire, tout ce qui peut brûler, tout ce qui peut faire du mal. Et puis enfin, j'ai appris que ces boucliers romains avaient une autre caractéristique, c'est qu'ils étaient faits de façon astucieuse, de telle sorte qu'ils pouvaient s'emboîter les uns les autres, comme dans Astérix, vous savez, ça fait une sorte de muraille, et que du coup, ça faisait un mur qui le rendait impénétrable. Et ça m'intéresse, parce que est-ce que ça nous amène à la force de la communauté ? C'est-à-dire justement, quand moi j'ai cette conviction, que je la partage avec des frères et des sœurs qui ont la même conviction, et bien là, ça fait une muraille absolument inébranlable contre le mal, contre les traits enflammés du malin, et on devient à plusieurs infiniment plus fort que l'on est tout seul. Et je crois que c'est entre autres ce qu'a appliqué aussi l'armée du salut, je dirais, qui sont des milliers, des millions dans le monde pour lutter contre la pauvreté, et à plusieurs on est d'une force incroyable. Et même chacun dans la communauté est aussi mieux protégé, parce que tout seul on peut être ébranlé, mais quand on partage sa conviction, sa foi avec d'autres, quand on est dans une communauté, dans un réseau d'amis, de solidarité, d'amitié, on a une force qui est absolument considérable. Et puis j'en arrive bientôt enfin au casque du salut. Alors là, je ne sais pas très bien, c'est plus compliqué, le casque, ça protège la tête, c'est le plus important, et si j'ai confiance dans le salut de Dieu, ça protège ma tête. Alors oui, le salut de Dieu, effectivement, c'est Dieu qui me sauve. Alors Dieu me sauve de quoi ?
Ça, c'est toujours la question que j'aime poser, effectivement. Dieu me sauve de la mort. Bon, je mourrai aussi, hein, comme les autres. Il me sauve de la peur de la mort, oui, sûrement. Probablement, peut-être, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il me sauve de la culpabilité. Parce que oui, un des grands messages de l'Évangile, c'est « vous êtes pardonné ». Donc arrêtez de vous sentir coupable tout le temps. Les gens coupables m'assomment et assomment les autres. Le seul moyen d'agir librement, c'est certes de reconnaître ses erreurs, mais d'arrêter de se sentir coupable de tout. Et donc allez-y librement. Donc voilà, revêtez le casque du salut. Dieu vous a libéré, vous a sauvé de la culpabilité et c'est bon, quoi, ça va. Il nous sauve aussi de l'absurde, parce qu'il donne un sens à notre vie. Il nous sauve de la tristesse, en donnant de la consolation. Il nous sauve de la peur, en nous donnant confiance. Et il nous sauve de la mort, en disant que notre vie est plus que notre corps. Il nous sauve de la haine, en nous donnant son amour. Et tout cela, toutes ces choses que Dieu me donne, eh bien, ça me donne une force extraordinaire. Parce qu'alors, je suis libéré, protégé, et je peux enfin, ma tête peut réfléchir tranquillement. Le casque du salut. Et quand j'ai ce casque du salut, je peux enfin réfléchir sereinement, librement et clairement. Et je peux être moi-même. Je peux prendre la tête de ma vie et décider librement. C'est ce casque du salut, Paul l'a tiré d'Ésaïe, Ésaïe 59, 17, quand on dit, il est écrit, « Dieu met le casque du salut sur sa tête ». Alors là, petite leçon d'hébreu, si vous le lisez en hébreu, vous verrez qu'il y a écrit « Dieu met le casque de Jésus sur sa tête » parce que Yeshua, c'est le mot qu'elle a, c'est le nom en hébreu de Jésus. Et donc mettre Jésus sur sa tête, ça m'intéresse parce que non seulement on met le Christ sur sa tête, ça nous protège, et puis j'avais une autre idée, c'est que le casque, c'est aussi l'emblème de ce qui se voit. Si vous prenez nos pompiers, ce que l'on voit, c'est le casque du pompier. Vous n'avez pas de casque à l'armée du salut, tiens. Ça vous manque. Il va falloir y penser. Hein. Et donc, finalement, mais cela dit, à l'armée du salut, vous ne mettez pas votre foi dans votre poche. Voilà. Et ça, c'est ça, votre casque du salut. C'est-à-dire que, justement, vous mettez des petits S partout sur votre col, là. Salut, 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 salut. Et effectivement... Je mets le casque du salut, comme le pompier, plaf, il met son casque et dit « Vous avez vu, hein, je suis pompier !» Eh bien, vous avez le courage de dire « Vous avez vu, je suis chrétien !» Et il y en a un peu assez de ces chrétiens nicodémites, comme disait Calvin, qui se cachent, qui n'osent pas dire « On fait le bien, mais on ne va surtout pas dire que c'est au nom du Christ, parce que ça pourrait déranger, je n'ose pas avouer que je suis chrétien. » Paul dit « Mettez sur votre tête le Christ, vous le mettez en gros là, c'est écrit, c'est en énorme, vous êtes chrétien, vous faites le bien pour le Christ, et vous êtes sauvé pour le Christ. » Et vous êtes sauvés pour servir, c'est la devise de l'armée du salut, les deux S, vous êtes sauvés pour servir, et vous avez le Christ sur votre tête, et vous assumez, et ça vous donne une liberté extraordinaire. Et puis enfin, le dernier, c'est l'épée de la parole de Dieu. Je vous ai dit, c'est la seule arme offensive, mais en même temps, Paul dit bien, c'est l'épée de l'esprit, donc ce n'est pas une arme physique. Et je dirais, oui, ma seule arme, c'est... Ma seule arme active, pas juste défensive, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Et ça, la Bible, c'est une arme contre tout le mal. Parce que, à tout mal, pour moi, à toute tentation, la Bible a une parole qui me remet debout et qui y répond. Donc certainement, tout ce qui me menace, non seulement la foi me protège, mais la Bible vient elle-même annihiler, détruire, tuer cette adversité, cet ennemi, cette tristesse qui me détruit. Et donc oui, cette parole a une puissance extraordinaire. C'est une arme de destruction massive du mal, de la tentation, de l'épreuve, de l'adversité. L'Épître aux Hébreux dit que c'est la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Cette parole qui tranche, qui découpe, qui permet de discerner le bien du mal, qui permet de séparer ce qui vaut quelque chose de ce qui ne vaut rien. Et ce travail permanent que je fais avec l'Écriture est un travail qui me permet de ne garder que le meilleur pour jeter le mal. De même que si vous
préparez une viande et que vous ne coupez pas les morceaux de gras et les morceaux mauvais avant, votre plat sera infect. Eh bien, il faut un couteau qui coupe. C'est ça la parole de Dieu. Elle permet de couper, de discerner, de mettre en ordre pour que notre vie soit effectivement dans la meilleure possible. Et c'est aussi une arme dans le monde. La parole, notre seule arme offensive, c'est la parole. D'essayer d'expliquer, de parler à l'autre, de dire, d'inviter, de témoigner, d'essayer de convaincre. C'est ça notre seule arme. La parole est l'arme du chrétien. Non seulement la parole de Dieu qui vient à son secours pour combattre pour lui, et c'est aussi notre seule arme pour agir dans le monde. Et comme dit Paul encore dans l'Épître aux Romains, dans toutes ces choses difficiles de la vie, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que je suis persuadé, dit-il, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous chantons le cantique « À toi la gloire », page 34-18. Nous chantons les deux premières strophes, si vous voulez bien. 34-18, page 456, les deux premières strophes de ce cantique « À toi la gloire ». Thank you.
suis contente quand je vous entends applaudir, parce que quand je suis arrivée ici, on m'a dit, dans un temple, on n'applaudit jamais. Et en 10 ans de présence ici, j'ai réussi à faire que de temps en temps, on applaudisse. Et je pense qu'il faut aussi s'exprimer comme ainsi. Donc merci, vraiment, merci beaucoup. À la musique territoriale de l'Armée du Salut et à notre organiste aussi, Lisbeth Schlumberger, qui nous a accompagnés. Parce que je crois que c'est un grand, grand plaisir pour les trompettistes, enfin les cornettistes plutôt d'ailleurs, de l'Armée du Salut, de jouer avec l'orgue. Je pense qu'ils n'ont pas tout le temps l'occasion et ils sont très heureux. En tout cas, merci à vous. Et si vous voulez les remercier encore plus, eh bien, venez au concert cet après-midi à 14h30, puisque notre journée continue. Après ce culte, il y a les écoles bibliques et les catéchismes, comme une fois par mois. Mais aujourd'hui, ça sera un peu spécial, puisque les écoles bibliques et les catéchismes se retrouvent à 14h30 pour le concert, qui sera terminé à 16h, comme d'habitude. On respecte bien les horaires. Alors, pour les parents qui le voudraient, ben, vous pouvez rester déjeuner avec nous. Normalement, il y aura assez. Il faut juste mettre les tables débarrassées, mais on y arrivera. De toute façon, l'Armée du Salut, son service, c'est super, quand ils viennent, on n'a rien à faire. Donc ça, c'est merveilleux. Et après, vous pouvez rester au concert, vous pouvez même rester à l'école biblique ou au catéchisme, puisque nous aurons le plaisir, en tout cas, pour les catéchismes, eh ben, d'accueillir des jeunes et des moins jeunes, pour d'abord nous dire un peu ce que c'est que l'Armée du Salut, en savoir plus. Ce n'est pas que une fanfare, et bien, c'est bien au-delà. Mais pourquoi l'Armée du Salut a-t-elle une fanfare? Bon, vous me direz, dans l'armée, c'est normal, mais voilà. Et surtout, quelle est leur foi? Qu'est-ce qui les anime? Et je pense que c'est très important. On ne le fait pas trop, nous, dans l'Église réformée, enfin, dans l'Église protestante unie. Mais l'Armée du Salut, un de ses cœurs, enfin, c'est le témoignage de dire pourquoi on a la foi et qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce que ça change dans notre vie et dans la vie des autres, éventuellement. Donc, voilà pour aujourd'hui. Vous êtes cordialement invités, et si vous voulez rentrer chez vous, revenez quand même au concert à 14h30. Voilà. Et ce soir, il y aura un culte, comme tous les dimanches soirs. Alors, Louis sera accompagné par un jeune homme qui jouera des sonates de Beethoven. Voilà pour aujourd'hui. Il y a aussi aujourd'hui, et c'est pour ça que nous avons la présence de Lisbeth, il y a l'Assemblée Générale des Amis de l'Orgue de l'Étoile. Donc si vous voulez aussi participer à cette Assemblée Générale, vous allez voir les organismes, enfin, l'organiste qui est Lisbeth qui est là-haut. Il y a Dominique Maroger aussi qui est la secrétaire, pour ceux qui la connaissent. Vous pouvez rejoindre cette association, elle a besoin de vous. Pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, toute l'année. Et cette association organise de nombreux concerts. Et samedi prochain, c'est à 17h, il y aura un concert d'orgue avec Lisbeth à l'orgue. Elle sera accompagnée à la flûte par son ami, dont j'ai oublié le nom, mais bon, il y a orgue et flûte, et c'est toujours très joli. Ça se marie très bien ensemble. Voilà pour les nouvelles. Et dimanche prochain, je vous retrouve pour le culte du matin et du soir. Voilà, et c'est maintenant. Alors, il y aura, comme chaque dimanche, une offrande pour l'entraide de notre Église à la sortie. Et aujourd'hui, évidemment, l'offrande, eh bien, c'est pour vous. C'est pour la fanfare de l'Armée du Salut, qu'on aide, parce que je pense que c'est une belle manière de témoigner et que ben, les instruments ont un coût, les voyages ont un coût, puisqu'ils viennent de la France entière et même de Belgique. Donc voilà, pour vous soutenir un peu, parce qu'on est vraiment très contents de vous retrouver tous les ans ici, et même un peu plus, puisque vous étiez là à Noël encore cette année. Enfin, la fête de Noël avec les enfants. Et c'est maintenant un temps d'offrande pour notre Église. Et je vous remercie d'avance de votre générosité.
Merci. Nous nous unissons dans la prière. Ô notre Père, toi qui es du domaine du spirituel, que ce que tu es et représentes soit considéré et respecté dans nos vies et par tous. Que chacun sache te reconnaître pour son roi et travaille ici-bas à l'avancement de ton règne d'amour, de paix et de grâce. Aide-nous à accomplir ici-bas ta volonté en toutes choses, contribuant à faire de la terre une image du ciel. Donne-nous chaque jour le pain spirituel dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos fautes et nos erreurs. Libère-nous de tout sentiment de devoir. Et que nous sachions aussi pardonner à ceux qui nous ont blessés ou fait du mal et remettre à ceux qui nous doivent. Ne nous laisse pas être enfermés dans l'épreuve ou la tentation, mais libère-nous du mal et de la source même du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent l'amour, la paix et la joie au siècle des siècles. Amen. Nous allons ensemble recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Je vous invite à vous lever. Oui, frères et sœurs, que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende rayonnants et fraternels. Allez dans la joie de votre Seigneur ressuscité. Dieu vous bénit et vous garde. Amen.